N'importe quoi. Bref. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais honnêtement, je suis fatiguée en ce moment. C'est un truc de ouf. C'est la fatigue extrême. Du coup, j'ouvre un nouveau vlog. Puisque je pense que cette semaine va être, j'espère, intéressant. Sinon, ce sera un vlog inintéressant. Enfin bref, je pense pas, mais enfin bref. Bref, passons. J'ouvre le vlog, on est le 11 mai. Il est 19h24. Oui, tout va bien. Mais c'est un peu ma journée, mon milieu de journée, on va dire. Puisque je me suis réveillée, c'était 14h, quelque chose comme ça. Je suis hyper fatiguée. Mais bonne nouvelle, en ce lundi, j'ai reçu mon pull. Il est trop beau. Donc ça, c'est le devant, bah, évidemment. Et du coup, le derrière, je sais pas si on va bien voir. Mais de toute façon, j'aime trop, il me va trop bien. J'ai posté sur Insta, donc on verra si Monsieur Jordi Boulevio et du coup son compte Insta, bah, de lui et de sa mère, me notifie ou pas. Je vais y arriver. J'ai posté aussi sur Twitter. Vaut mieux plus de chance, hein, comme ça j'ai un peu plus de chance. Je suis en train de faire du rangement parce que là j'ai un bordel sur mon bureau, c'est n'importe quoi. Faut que je trie. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, je suis en train d'essayer de ranger cette tiroir là. Donc là, c'est fait là aussi. Faut que je fasse là parce que c'est blindé. Et comme ça, j'utilise pas. Il y a des mascaras. Celui-là, le vert, j'utilise pas. Ça, faut que je regarde vraiment, il y a quoi exactement. Mais enfin, franchement, c'est blindé pour rien au final parce que le peu que j'utilise, bah voilà quoi, il n'y en avait pas la moitié, je crois. Et ouais, ça devient trop, c'est trop en fait. Donc, du coup, là, j'ai vraiment trié. Donc, là, il y a mes aérateurs que je mets souvent. Donc, il y a le coutil que je kiffe de l'avoir tissu. Il y a le blush que je mets pratiquement à chaque fois que je me maquille. Le peu que je me maquille, je mets ça en fait. Je mets soit celui-là, soit le. Je sais pas si on doit dire Kat Von D ou KVD maintenant, mais je vais dire Kat Von D. C'est le. Celui-là. Oui, si tu veux faire la focus. Hein. C'est celui-là, il est trop beau, franchement. Mamma mia. Et au niveau du bronzer, j'ai envie d'utiliser celui-là en ce moment. C'est le Tarte. J'y ai arrivé. Surtout, je prends le truc où il n'y a pas. C'est le Tarte, mais version. Il y a un problème de focus. La version lumineuse. Et du coup, voilà ce que j'utilise. Après, au niveau de poudre, j'ai commencé enfin à utiliser celle-là et j'adore. J'ai envie de terminer cette poudre parce que je l'adore, mais en fait, vu qu'elle est totalement pétée, bah. J'aimerais bien. Voilà quoi. Donc, voilà. Du coup, on est le 11 mai, une fin du confinement. Progressif, on va dire. Moi honnêtement, je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. Faut juste que j'aille chez l'opticien parce que mes lunettes elles sont toutes travers. C'est affreux. Et j'aimerais bien passer chez le coiffeur, mais je vais attendre que ma mère y aille aussi pour faire du pierre de roue. Sachant que moi j'aimerais juste couper ma frange et peut-être les pointes parce que j'ai les pointes un petit peu fourchues. Pas énormément parce que. J'ai eu pire que ça. Si vous voyez mes anciennes vidéos, vous savez. Mais voilà quoi. J'essaie de désencombrer. J'ai désencombré l'autre tiroir aussi. Je suis bien contente. Parce que c'est un petit peu beaucoup de bordel. On voyait plus rien. Enfin, ça devient. C'est compliqué quand on aime le maquillage. C'est vraiment compliqué. Donc voilà. Pourquoi pas vous montrer après. Après c'est vrai que c'est beaucoup, ça bouge beaucoup de par mes titres, de par beaucoup de choses. Donc voilà. Faut que je vois si je fais de mon miroir
celui en bois parce qu'il est cassé et que plus ça va plus de la chaîne et du coup j'utilise celui-là que j'avais acheté dans mon dernier haul Primark. Et ça pareil je sais pas quand je vais y retourner parce que j'ai pas envie de non plus de prendre de risques ou quoi et pardon. De toute façon, faut que je mette des sous de côté, donc Primark, je pense que je vais pas y aller. Ou alors, si j'y vais, ce sera pour mon anniversaire, ou je sais pas, je verrai bien, mais ouais, j'ai pas envie de me précipiter dans le magasin. Franchement, j'ai autre chose à faire. Je veux juste attendre mon bon de Sephora pour pouvoir commander ce que je veux commander sur Sephora. Parce que j'aimerais beaucoup me racheter ma base mine parce que j'utilise pratiquement à chaque fois et du coup voilà. Bref, je vais ranger à plus tard je pense ou pas en fait je sais pas trop. Je vais vous montrer ce que je vais manger parce que c'est vrai que j'ai besoin de vous montrer un petit peu jamais ce que je mange. Pourtant c'est un petit peu intéressant. Enfin quoi, pas tant que ça parce que j'ai mangé pizza. Donc voilà. Mais je me demande que vu l'état de ma peau. Je pense que c'est parce que je mange n'importe quoi en ce moment. En gros, voilà, il est comme ça devant. Avec, voilà. Bon, moi, il est long. Mais moi, j'aime prendre ce long, etc. Je vais vous montrer le derrière. Ça va être très focus! Yes! Oula, faut que j'arrête, moi. Bref, moi, ce que je vais manger, ça va être ça. Oh, j'ai l'impression d'être toute bleue. Waouh! Comment c'est pas beau dehors! Pourquoi je suis bleue, wesh? Du coup, moi, c'est ça, ça va être ça. Oh, j'avais pas vu, hein, elle m'a pris sous moi, le gars. Tu vois, ça va être ça. Bah, d'ailleurs, je vais la sortir. Hein, j'ai faim, donc j'en profite parce que faut savoir qu'en ce moment, je mange très tard. En fait, je mange à l'heure qui est prévue, mais un tout petit peu. Et du coup, je remange à je sais pas quelle heure. Et après, je remange encore à je sais pas quelle heure. Genre, c'est limite si je mange pas toutes les 3 heures. Après. Donc, c'est pas. C'est pas un truc, quoi. Et je crois que je suis en zoom. Oui, j'étais en zoom. Je me disais, je suis bien après. Donc, regardez-moi le temps dehors. C'est la tempête. Enfin, la tempête. Comme par hasard, quand je finis. Il n'y a pratiquement plus de vent. Je me suis touché le bouton, ça me fait trop mal. Bref, je vais vous montrer. Mais regarde-moi. Ouais, je me dis. Oh putain, mes vitres sont dégueulasses. Attendez, je vais essayer d'ouvrir. Mais genre. Je suis pas beau. Genre vraiment pas. Bon. Je vais ouvrir parce que. Enfin, je ferme plutôt. Bon, je vous retrouve le lendemain. Puisqu'on est le 12. Je vous retrouve, il est très tôt par rapport à d'habitude. Tout simplement parce que j'ai envie d'essayer d'avoir un rythme plutôt normal en ce moment, enfin aujourd'hui du moins. J'ai envie d'essayer au moins. Si j'échoue, j'aurai essayé. Du coup là, il est même pas 8h, il est 7h23. Je sais pas si on va voir. Ouais, 7h23. On verra si je tiens jusqu'à midi. J'ai décidé que je mangerai vers 11h30 et que j'irai me refaire une sieste à midi jusqu'à 15h pour, voilà, pour équilibrer un peu. On verra si j'arrive à avoir un rythme normal et si j'arrive parce que j'avoue que j'y crois pas trop. Hein. Mais j'ai envie d'essayer, on verra. Du coup aujourd'hui bah programme de la journée pas grand chose puisque bah j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. J'aimerais bien peut-être filmer une vidéo mais je vous avoue que j'ai pas d'idée en fait. C'est ça le problème c'est que bon vous allez me dire tu pourrais te maquiller etc. Mais j'ai pas de sujet j'ai pas grand sujet à aborder. J'ai pas de nouveauté make-up à tester. Du coup je ne sais pas. Je pense que je vais essayer de faire un sondage sur mon Instagram.
pour voir ce qui vous plaît, etc. Après, ouais, je suis hyper limitée. Du coup, là, je vais me boire ça. C'est le signature chocolat. Ah, j'avoue qu'il est un petit peu fort au niveau chocolat. Mais j'aime bien, ça va, ça passe. Je vais regarder quelques vidéos pour me bouger un peu. Et après, je pense que je rangerai, j'essaierai de ranger. Parce que voilà quoi. Voilà. J'essaierai de ranger. Là, c'est vraiment essayer quoi. On verra si aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu en stress depuis. Putain, j'ai les cheveux. La preuve, il faut que je me coupe les cheveux. C'est que j'ai des nœuds. C'est affreux. Bon, faudrait que je me couche les cheveux détachés, donc c'est pas. Voilà. Mais j'ai toujours pas reçu ma commande chez une. Hein. Je pense que ça va saouler tout le monde, mais moi ça me saoule autant parce que bah, j'aimerais bien la recevoir cette commande. Et c'est pas le cas donc super donc on verra si je en fait je me dis que je sais pas quoi faire je voulais contacter colis privé sauf que sur le suivi c'est marqué que ça a pas été encore pris en compte enfin ça a pas le colis a pas été pris encore par colis privé du coup je sais pas trop je vais essayer de contacter Chine sur Facebook parce que ça commence à me gaver. Je suis patiente, je pense que j'ai été patiente jusqu'à maintenant. Après, ce que je vais recevoir aujourd'hui, je sais pas, honnêtement. J'ai un petit peu peur parce que j'ai plus de suivi. Depuis, demain, ça fera un mois, en fait. Donc, je flippe un peu. Je sais que les colis mettent longtemps à arriver. Mais là, un mois, ça me paraît gros, en fait. Donc, bon, on verra. S'ils me disent, bah voilà, il est en route, bah tant mieux, mais j'aimerais savoir en fait. Bref, je vous laisse, je vais checker mes commentaires au niveau de mes TikTok d'hier, même si j'ai pratiquement vu. Voilà. Bon, je vous retrouve, je sais pas combien de temps après, on est le 13 mai, et je vous retrouve, il est 19h40. Je suis en train de manger, enfin de finir de manger. Je voulais trop vous montrer ça. Alors ça, celui-là, je ne l'ai pas goûté. Mais je pense que je vais aimer. Enfin, je pense. Vous allez voir avec moi. C'est les tartinades de chez Petit Nade. Oui, j'adore vous montrer de la bouffe. Il y a quoi? J'aime la bouffe. Mais ça, c'est trop bon. Genre, il y a plusieurs goûts. Ça veut pas, ça veut bien. Genre, c'est ça. Bon, par contre, c'est tout petit, donc moi, pour moi, ça se finit rapidement. Je vais vous montrer les autres après. Mais genre, c'est trop bon. Moi, j'aime trop avec des cracottes. Ma vie, franchement. De toute façon, les cracottes, moi, j'adore manger des cracottes avec soit du fromage, genre de la vacherie, là, soit des trucs comme ça. Genre, c'est tellement bon. Ouais, ma vie. Bon, je vais peut-être pas trop en mettre parce que ça se trouve, je vais pas aimer. C'est trop bon. C'est trop bon. Ça, c'est trop bon. J'aime trop. Mais du coup, je suis sortie aujourd'hui. J'étais à Alçon, mais Alçon. Franchement. Le monde qu'il y avait. Genre la queue de 2 km de long. Et les celles hôtesses, elles avaient leur masque, mais là, donc, c'est comme si elles n'avaient pas de masque. Donc voilà, super. Et il y avait des gens, pareil, qui n'avaient pas de masque. Bon, je veux pas dire, ça fausse, mais mon père n'avait pas de masque. Hein. Voilà. Donc c'est des gens comme lui qui font que on va rester comme ça pendant des mois, hein, si c'est pas plus ça. Après, j'ai fait comme je veux, mais moi, je me suis clairement mis mal pour mettre un masque. Et, quand tu vois qu'il y a des gens qui n'en mettent pas, c'est un peu abusé. Oui, parce que moi,
faut savoir que j'ai des problèmes respiratoires. J'ai fait Jennifer Taliwej avec le masque. Et je suis sortie dehors, je l'ai enlevé parce que j'en pouvais plus. Genre j'avais la tête qui tournait. J'en pouvais plus honnêtement. Donc voilà quoi. Et Alson, bah je l'ai remis du coup. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Alson, je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté à Jennifer Taliwej. Et du coup, petit update aussi, j'ai eu la réponse de Chine et apparemment, c'est mon colis serait à la douane en cours d'examen, tout ça. On verra bien. Mais du coup, voilà. J'ai acheté ça. Alors, je sais pas si je vais pouvoir y prendre. Je suis racheté ça au niveau bourse parce qu'elles sont trop bonnes et même ma mère a dit qu'elles étaient bonnes. Ma mère m'a acheté ça. C'est des fous au caramel. C'est de nouveau apparemment parce que d'habitude on prend les oranges, que ce soit la vanille, moi j'étais persuadée que c'était caramel, mais bon, apparemment non. Donc voilà. Je pense qu'après je clôturerai le vlog parce que j'ai envie de le mettre rapidement, on va dire. Enfin, je dis ça, puis voilà quoi. Donc, je sais toujours pas quand je vais recevoir mon colis, mais normalement je devrais le recevoir. Croisez les doigts. Aussi, j'ai fait deux commandes sur Shein, une crèche et des pinces. Je dis Shein, non, AliExpress. Je ne sais plus parler, je suis. Puis en plus, pour toute anecdote aussi, genre, ils m'ont mis du désinfectant à Jennifer. Ils chemoutent, ils puent la mort. Moi j'aime bien les trucs qui n'ont pas d'odeur et ça, mais qui désinfectent quand même. Mais alors là, je vous le dis, c'est une horreur. Ça sent quoi, ça pue, c'est horrible, genre. Horrible. Ouais, je finis de manger et je vous retrouve pour le mini haul. Bref, je vous retrouve. Allez, mon peignoir parce que j'ai froid. Je vais vous montrer déjà mes achats. Alson, il n'y a rien de ouf non plus. Je me suis racheté ça. Je voulais reprendre mon eau, le tonnerre, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé déjà celui-là. Je sais que mes parents ils retournent vendredi. Moi, je ne vais pas y retourner parce que, franchement, pour le coup, c'était un calvaire avec le masque. Donc ça, j'ai un air pris parce que j'aime trop. Et que pour un nettoyant, il est vraiment doux. Et après, j'ai la peau toute douce. Et ça agresse pas du tout vu que c'est à la rose. Ensuite, je me suis pris les crayons, c'est les Shaping Lip Liner. Ah, si, il y a la teinte. Moi j'ai pris la teinte clairement nude. Je le swatch et c'est vraiment pas mal du tout. Et c'est un truc rétractable, donc ça on l'adore. Je sais même pas si on va voir parce que c'est vraiment un nude. Ah, si, on voit, c'est de là. Donc à tester, je voulais tester, oula. Rien de ouf comme je vous dis. Je me suis pris un rangement sachant que les... En fait, moi ce qui m'a intéressé, c'est les cases vachement larges. Donc je sais pas quoi mettre encore, mais pour... par contre j'ai plus les prix non plus. Mais ça, ça valait rien du tout et ça sert toujours. Ensuite je me suis pris la blinde. De masque, mais ça c'est en prévision d'une soirée de ma nièce. Ça c'est les bambous charbon. Comme ça je l'avais vu sur une chaîne de YouTube. Je sais plus, je crois que c'était sur Gwen, je sais plus. Donc celle-là, j'ai hâte de les tester. Celle-là c'est pour moi et ma nièce quand on fera notre soirée. Donc celui-là c'est au je ne sais pas quoi. Je me suis posé la question. Ah, c'est à la truffe blanche. Ah bah, j'avais pas reconnu. Hein. Donc c'est un masque au... Je trouve ça. C'est pour... ouais, la peau sèche. J'ai pas du tout la peau sèche, mais bon. On va dire que oui. Et celui-là, c'est au caviar. Donc je pense que je prendrai peut-être plus celui-là et je donnerai celui-là à Manuel. On verra. On verra parce que j'en ai pris d'autres. Encore
Ça, c'est la marque Alvira. Comme ça. Et dedans, il y en a trois. Il y a trois masques. À la noix de coco et à l'amande. C'est ceux qui me plaisaient le plus, en fait. Et dedans, c'est bien. C'est qu'il y en a trois. Donc, c'est comme ça, en fait. Tout simplement. Donc, ça, j'ai hâte de tester. Je vous avoue que je vais pas passer ma vie à aller à Alçon parce que, durement, les trucs de sécurité, ils sont vachement. C'est un peu approximatif, on va dire. Donc, je pense que si mes parents doivent y aller, je n'y vais pas, clairement. Ensuite, on va passer. Alors, je sais plus, ça va plus dans l'ordre, je pense. Mais les jeans, c'est Taliwage. Et je vais faire un t-shirt. Dans le premier jean, c'est. Moi, je prends beaucoup les high waist push-up skin. C'est, bon, franchement, moi, les jeans. Tous mes jeans, pratiquement, c'est de Taliwage. Je suis là parce que tu fais n'importe quoi. Donc celui-là, j'ai pris celui-là. Donc il est un peu. Voilà, il est légèrement trouvé, mais sinon, voilà, il est tout simple. Je mets bien la couleur et c'est vrai que au niveau des jeans, je mets un peu tout le temps les mêmes. Et du coup, bah, je mets tout le temps ceux de Taliwage. Mais après, ils sont pas donnés, je trouve, mais c'est de la bonne qualité. Il y en a un, j'ai depuis au moins 3-4 ans. J'abuse peut-être, mais au moins 3 ans. Bon, ça c'est Jennifer. Honnêtement, c'est la seule chose que j'ai essayé parce que j'étais pas sûre du tout. Donc, c'est une robe que j'ai hâte de mettre. Donc, c'est en élastique. Je sais pas si on va voir. C'est élastique. Et en fait, ça part comme ça. Je sais pas si on va voir très bien. Mais ça, je suis sûre que je vous ferai une tenue avec. Et en fait, c'est comme ça. En mode, d'habitude, je suis pas du tout. Manche comme ça, bouffante quoi. Mais j'ai dit je vais essayer, on sait jamais. Et au final, voilà, c'est comme ça à la base. Comme ça, voilà. Je vais essayer et elle me va tout le poil. Elle est pas trop longue, elle m'arrive au genou. Donc ça, c'est important. J'aime pas du tout les robes qui me vont trop trop longues. Et les manches sont resserrées un peu. Alors ça, moyen, mais on s'en fiche. Mais j'aime trop les robes en ce moment. Les robes de Taliwage et Jennifer. Ça peut être de la bonne de bonnes trouvailles parce que faut savoir je suis très petite, je suis 1m37 donc les vides. Les robes font vite on a déjà l'air d'une orpheline, c'est horrible. Et celle-là pas du tout, donc ça on l'adore. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait la même pour le soir Riverdale, donc j'ai craqué pour le sweat. Le t-shirt de Jughead avec le S, je l'ai pas trouvé. Mais faut dire que j'étais rapide, hein. J'ai fait le plus rapidement possible parce que voilà quoi. Et du coup il y a marqué Riverdale en bleu et derrière il y a marqué comme ça Riverdale, il y a marqué 17, mais 17 c'est pas le enfin j'en ai là parce que je Riverdale j'ai un peu abandonné on va dire parce que je suis H24 beaucoup moins sur notre film, mais 17 c'est pas le chiffre c'est le chiffre de Archie. Oh, faut jouer la honte. La honte, moi qui est fan de Riverdale, je sais même pas ça. Donc celui-là, j'ai par contre, j'ai pris en M parce que j'ai remarqué, bon celui-là, il va être à la vie. J'ai remarqué que au niveau du S et M, il n'y a pas beaucoup de différence à part dans les manches. Donc finalement, je prends beaucoup plus de M maintenant chez Jennifer que du S. Donc vous allez voir, celui-là, j'ai pris en S parce qu'il n'y avait pas de M. Celui-là, je l'ai trouvé. Canon, je l'avais déjà vu sur le site Jennifer, mais c'était quand on pouvait pas commander, enfin qu'on pouvait pas aller en magasin. Du coup celui-là c'était sur ma wishlist on va dire. Donc il est noir et je l'ai vu en blanc et je l'ai trouvé moins joli. Donc, voilà. Donc c'est pas du tout féminin encore une fois. Donc c'est comme ça, il est trop beau. Je suis sûre que ma nièce, je vais lui montrer, elle va me dire je le veux. Donc, comme ça, il y a marqué Burning Keep the Fire. Donc, comme ça. Et en fait, sur les manches, c'est pareil, j'ai trouvé ça trop beau. Il y a les flammes. Et ça, j'aime trop. Donc, voilà. Et le restant, c'est Taliwell. Donc, je me suis pris un t-shirt. En fait, c'est plus la couleur qui m'a fait kiffer, clairement. Je me dis que j'aurais peut-être pu prendre même M parce que S. C'est loose mais pas assez pour moi. Mais bon, bref, on s'en fiche. Donc c'est comme ça.
Il y a marqué John and Reese's. Donc ça, c'est un groupe. Mais c'est plus pour la beauté du t-shirt qu'autre chose. Hein. Mais il est trop beau. Genre la couleur. J'ai pas trop de couleurs comme ça. Je trouve. Bon, je vous ai pas dit les prix, mais on s'en fiche un peu. Hein. Hein. Dites-moi que vous vous en fichez. Et le dernier jean, je suis pris un jean. Comme ça. Bon, après, c'est vraiment totalement. En général, moi, chez Talibay, je prends du 38. Ou 36-38. Là, c'est du 36-38, mais c'est plus du 38. Voilà. Et du coup, il est. Franchement, il est pareil, il est tout simple. C'est un peu le même style que j'ai. Que celui de Jam est en plus clair. Mais voilà, les jeans Talibay, c'est des pépites à chaque fois. Donc voilà pour mes achats. Maintenant, il faut tout que je remontre à ma nièce. Enfin, sauf les jeans, parce que. Bon, je crois qu'elle s'en fiche. Donc voilà, je suis bien contente de mes achats. Je vous avoue que là, je vais aller m'allonger un peu parce que je suis fatiguée à un truc de ouf. J'aimerais bien pouvoir faire un live sur TikTok, mais même si je fais un live, je pense que je vais pas faire un live de 2 heures. D'habitude, je fais un live au moins de 2 heures. Je pense que ça sera pas le cas aujourd'hui. Parce que je suis fatiguée. Et en plus, je pense que l'odeur du désinfectant m'a donné mal au crâne. Donc, merci. Hein. Donc, je vais vous laisser. J'ai plus de voix. Hello tout le monde. Alors, j'ai pas vlogué depuis un petit moment, je pense. On est le 16. Il est 16h38. Je voulais juste vous clôturer ce vlog. Parce que du coup, on est samedi. Et moi, les samedis et dimanches, je fais rien. Je me repose un maximum parce que faut savoir que je fais beaucoup pour la semaine. Enfin, je filme beaucoup pour TikTok. Je fais beaucoup de live. Et du coup, bah, mes deux jours off, on va dire, où je fais pas de live. Enfin, du moins, j'essaye de pas faire de live. C'est samedi et dimanche. Donc, du coup, on est samedi. Je fais pas de live ce soir parce que je suis hyper fatiguée. En général, c'est le jour où je suis le plus fatiguée, le samedi et dimanche. Donc comme ça, voilà. Il n'y a pas grand-chose qui a été nouveau. Il y a juste mes parents qui sont retournés à Action pour je sais pas quoi en fait. Donc moi, j'y suis pas allée parce que bah, j'estime que j'avais pas besoin. Donc je leur ai demandé de me ramener des trucs. Donc ma mère m'a ramené le toner à la rose que j'avais pas trouvé dans l'autre action. Donc ça c'est bon, comme ça j'en ai deux d'avance. Et des chips. Les chips que je vous avais montré dans le mini haul action. Donc c'est tout. Là je suis à mon ordi. J'essaie de me détendre un maximum. Je vais faire le montage de suite. Et je mettrai en ligne ce soir. Du coup voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous fera plaisir comme vidéo. Parce que je vous avoue que je suis un peu. Je rame énormément. Je pense que clairement, il faut que je vous fasse un maquillage coloré, ça c'est sûr et certain. Il faut que je trouve le temps, pareil. Il faut que je vous filme une playlist. Parce que, pareil, j'ai plein de nouvelles chansons à vous faire découvrir. Enfin, je pense que vous les connaissez, mais voilà, j'avais envie de. Donc peut-être vous refaire une playlist. Je sais pas si une vidéo favori vous dirait, parce que j'ai pas mal de favoris en ce moment, donc je ne sais pas. Dites-moi moi en MP sur Instagram, parce que les commentaires sont désactivés, on adore. Mon Instagram c'est myword Héloïse. J'essaie de vous le mettre en barre d'infos parce que j'essaie d'y penser, mais c'est compliqué quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'adore mon pull. Voilà, si vous avez vu dans le haul bah, juste avant. Mais j'aime trop. Franchement, finalement, c'est pas trop mal. Bref, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche parce que je vais le mettre le dimanche. Donc demain pour moi, mais vous. Enfin, bref. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite. Pour un nouveau vlog ou pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment besoin d'inspiration en ce moment. Parce que, bah, à part les vlogs,
J'aime beaucoup les blagues, mais surtout en ce moment, c'est un peu redondant, donc voilà. Pourquoi pas vous faire un haul chez une date, j'aurais reçu ma commande, c'est-à-dire je ne sais pas quand. Donc voilà, gros bisous. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est important. Je le dis peut-être pas assez, mais voilà, prendre soin de soi, c'est la meilleure façon d'être bien dans sa tête et bien dans son corps. C'est bizarrement dit, mais enfin bref. Voilà, gros bisous, je vous aime. Et gros bisous. Ciao.